atelier et concert forment une espèce d'énorme action culturelle. Ça va ensemble. Le concert n'est jamais donné sans les ateliers. Les ateliers ne sont pas donnés sans le concert. Dans cette semaine, ça se sent. Il y a une grande maîtrise de ce que les musiciens appellent la forme. C'est-à-dire, finalement, comment on organise son expression. Le grand projet quand même des concerts de poche, c'est d'essayer de répondre présent à des appels qui viennent de la France entière, qui viennent même un petit peu au-delà des frontières parfois, de petits villages ou bien au contraire de quartiers de grandes agglomérations et auxquels on va apporter les plus grands artistes du monde parce qu'il s'agit bien d'eux. Alors les concerts de poche, c'était dans mon esprit, c'était quand même une vieille idée de l'époque où j'étais pianiste concertiste et où j'avais véritablement envie que la musique puisse s'adresser à absolument tout le monde. Surtout Poulenc, lui il a un truc, c'est il a une écriture presque comme du cinéma, c'est-à-dire que ça fait des petites scènes. C'est tellement intuitif, ça part tellement de tous les sens que la seule chose qui fait que ça tient, c'est qu'à chaque fois, ce sont des mélodies absolument extraordinaires qu'on retient et qu'on a envie de suivre. J'ai eu cette idée d'aller en fait dans les salles des fêtes des villages avec les mêmes concerts que ceux que l'on donne dans les grandes salles. Ça a pris une envergure très importante. Leur donne du pain et remue leur derrière en disant thank you very much, monsieur Trenet. Qu'on puisse s'adresser aux jeunes, c'était ma première idée. Après, l'idée d'étendre les ateliers qu'on faisait déjà à des publics adultes éventuellement, mais très très éloignés de ce type de pratique, est venue. Et puis maintenant, c'est vrai qu'on organise plus de 800 ateliers par année. On va s'amuser avec de la musique. On a des petits gosses qui s'inscrivent dans les écoles de musique, des personnes qui se mettent à s'inscrire dans des chorales, des petits groupes de percussion. Et le fait que la musique que moi je jouais en tant que musicienne, concertiste avant, puisse être l'outil de ça, à vrai dire, ça me donne, moi, envie de me lever le matin. Ok, on applaudit Mehdi. Depuis quelques temps, nous avons mis au point des ateliers qu'on appelle nous longue durée, qui permettent véritablement de faire participer énormément d'habitants d'une même communauté de communes, d'une même commune, ou bien éventuellement d'une ville, pour pouvoir préparer avec ses habitants des premières parties du concert. Donc je vais commencer avec ce début de clarinette. Ça vous fait penser à quoi ce début de clarinette? Un bec, exactement. C'est comme le canard. Ça s'appelle un bec, le début d'une clarinette. Donc nous accompagnons, nous, concert de poche, avec des animateurs. Et donc on emmène les artistes sur les lieux des ateliers. Lorsque, éventuellement, les artistes qui sont à Tokyo, Amsterdam, New York, je ne sais pas où, n'ont pas forcément le temps d'animer eux-mêmes les ateliers, eh bien on fait appel à de merveilleux jeunes musiciens, improvisateurs, et des jeunes comédiens, également improvisateurs, qui font parfois des binômes absolument incroyables. Et donc les artistes, les jeunes artistes qui interviennent sur ces ateliers, ils ont une fibre de s'adresser à des publics qui ne connaissent pas encore ni le théâtre, ni la comédie, ni l'improvisation, mais qui vont devenir naturellement le public de demain, s'il n'est déjà celui d'aujourd'hui. Donc notre vrai projet, c'est le développement national des concerts de poche.